Ah, oh, dans mon œil. Pardon, pardon. Ah. Vite, allez chercher. Oh mince. Oh mince. Grosse aspergée. Oh, putain, je m'en suis mis dans. Il est 7h du matin. Faut se réveiller. Oh, je sommeille. Aïe. Oh, pardon. Yo les Big Mac, j'espère que vous allez bien. Bon, on se retrouve dans un endroit assez inhabituel, mais c'est pour vous présenter aujourd'hui ma morning routine. Donc aujourd'hui j'ai plein de choses à faire, donc sans plus tarder, c'est parti. Bon là je me suis habillée, Fabien peut pas se réveiller. Mais normalement on se réveille à deux, on descend à deux pour aller aux toilettes. Mais bon, vous inquiétez pas, je vais trouver quelque chose. Actuellement dans ma salle de bain, je me suis vraiment habillée en deux spies. C'est juste pour aller faire une petite surprise à mon baby char. On va à la boulangerie, lui acheter quelques petits trucs, lui préparer des petits smoothies. Et puis voilà, non je fais pas du tout ça parce que c'est une vidéo YouTube hein. Sur le chemin de la boulangerie, vraiment je sais même pas s'ils vont m'accepter. Regardez ma tête, comment je suis horrible. Après c'est normal, je viens de me réveiller. Quand j'irai dans la salle de bain, je me préparerai et tout. Mais là c'est bon, je vais pas me préparer pour la boulangerie quand même. Sinon je vous ai pas dit, mais en général on se réveille aux alentours de, on essaye maximum 10h. Pour ceux qui demandent ah mais comment vous faites pour l'école etc, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que on va vous parler de l'école concrètement. Mais par contre il fait une chaleur mais genre vous pouvez pas vous imaginer hein. Relais Big Mac, du coup je viens de sortir de la boulangerie, je viens de récupérer la marchandise et voilà, je pense que Fabien va être très content. On se retrouve actuellement dans ma cuisine, je vais lui faire un smoothie qu'il adore. C'est un smoothie aux fruits rouges basique avec du lait et des fruits rouges et un mixeur, enfin bref je vais vous montrer. C'est parti, commençons le petit smoothie. Non mais Fabien il doit bien dormir hein, pendant que moi je fais tout ça. C'est bon, le smoothie est terminé. Il reste plus qu'à les mettre dans les verres. Non mais regardez, chez moi on dirait qu'on est des rois et tout. On boit dans des calices. En tout cas ça fait très esthétique, vous allez voir. Et hop. C'est pas, je regarde dans mon sachet, j'ai deux pains au chocolat alors que j'avais demandé deux croissants. Et par ailleurs, j'avais acheté une tartelette et ils me l'ont pas mis. J'en peux plus. Du coup, bah là, je vais appeler la boulangerie. S'ils me demandent d'y retourner, bah je vais y retourner. Et aussi, j'ai demandé deux croissants et j'ai deux pains au chocolat. Bon bah, à tout de suite. De retour. Donc regardez la surprise que je lui ai pris. Oh là, attendez, j'enlève le masque, c'est bon. Raya. Non mais si ça, ça donne pas envie dès le matin. C'est le matin qu'on mange ça? Bon, de toute façon, Fabien il mangera. Donc allez, c'est parti, je lui sors ça. Bien sûr, les deux petits croissants. Moi concrètement, je me suis pas pris de tartelette ou quoi parce que j'avais pas du tout envie. Bon, on va aller réveiller Fabien. Par contre, faut pas qu'il prenne la confiance. Hein. Moi, je fais ça juste pour la vidéo, hein. Qu'on soit clair. Waouh, c'est quoi cette tête encore? Ouais, bah toi, t'as pas vécu tout ce que j'ai vécu ce matin. Hein. Tu sais pas de quoi je veux parler? Non. Bah lève-toi et tu verras. Allez, viens. Wow. En plus, tu te demandes même pas pourquoi je suis habillée, etc. Et pourquoi je te filme. Maintenant, je sais pas ce que tu fais. T'as une surprise. Ouais, une surprise. Tada! Wow. Regarde, je t'ai tout préparé. Oh, t'es content? Oui, trop chou. Merci. De rien. Tu regarderas ma vidéo, mais j'ai recommencé 4 fois parce qu'il m'avait oublié ta tarte, je sais pas quoi après. Carrément, les milkshakes et tout. Prendre des forces parce qu'après on va aller à la douche. On a encore tellement de choses à faire que rien que d'y penser ça me fait mal à la tête. Donc profitons de ce petit déjeuner, oui. Profitons. Donc voilà, on se retrouve actuellement dans ma salle de bain. Vous voyez un petit peu la différence, ouais, de taille, ouais. Mais en vrai je fais 1m80 et toi? 1m60. Waouh, 1m88. 90, je sais plus. En général on fait pas trop de douche à deux parce que comme vous pouvez le voir ma baignoire est assez petite. D'ailleurs normalement elle est comme ça, enfin bref on peut pas se mettre. Mais là pour la vidéo on a décidé de tenter et tout parce qu'on s'est dit bah... coupe le golf, hein. Faut bien montrer aux gens qu'on est des gens parfaits. Donc allez, c'est parti, en même temps, on va vous montrer nos produits. Oh là là, la galère. Oh. Ça fait du bien dès le matin? Non, pas trop. Franchement, une bonne douche, mais ça réveille trop. Bon, en premier lieu, on va vous montrer le petit gel douche. Normalement, on prend celui-là. Ça n'a pas trop d'importance, mais pour rien. Petit massage dès le matin. Donc ensuite, pour le shampoing, moi, c'est que le mien, j'utilise Eden Shoulder. Et Mathieu, vu qu'il a les cheveux bouclés, il prend un shampoing spécial donc pour les cheveux bouclés. En fin de compte, je vais prendre lui parce que j'ai remarqué que ça faisait à peu près le même résultat et j'aime trop la senteur qu'il fait. Ah. Ah, oh, dans mon œil. Pardon, pardon. Ah. Vite, allez chercher une serviette. Je suis désolée, bébé. Oh. Tu vas avoir l'œil tout rouge à cause de moi. Oh non, je pouvais pas le louper. Non mais le mec, je vais faire un massage crânien, je vais faire un petit déjeuner. Et là, ça y est. Ça y est, il y a un hic.
fallait que ça tourne au drame. En plus, moi j'ai les cheveux hyper fins, genre. Du coup, je dois les laver souvent, sinon ils sont gras. Plus ils les lavent, plus ils sont gras, mais il veut pas m'écouter, donc c'est pas grave. J'aime trop, je me croirais chez le coiffeur. T'es bien, moi bien, hein. Moi j'aime pas trop parce que déjà être mouillé comme ça là. Regardez. Wow. Ça c'est la coupe du papier toilette. Là c'est la piste d'atterrissage. Toi bien parce que mes cheveux sont entre tes mains là. Il a de la chance, il fait jamais ça presque. T'as vu, je m'applique. Hein. Ouais. Ah d'ailleurs en ce moment bébé t'as des boutons. On va utiliser des petits produits. C'est incroyable, hein. Je sais pas pourquoi. Ouais. J'en ai appris là. J'aime trop ouvrir les yeux pour avoir le challenge de voir si je me mets du shampoing dans les yeux ou pas. L'après-shampoing, je pense en racheter un meilleur, mais si vous avez des suggestions, dites-le-moi dans les commentaires. Mais il y en a plus! Ensuite, en attendant que mon après-shampoing sèche un peu, on va appliquer la mousse nettoyante parce que c'est vraiment super important de se laver le visage tous les jours. Déjà, c'est le début d'une bonne skincare routine. C'est la base, quoi. Ouais, c'est vraiment la base, quoi. Faites déjà ça parce que vous verrez qu'il y a une grande différence. Et là, en gros, faut juste l'appliquer sur tout le visage. Oui, bah c'est comme un masque, mais en fait, c'est juste pour se nettoyer le visage, quoi. La face, la face. Et moi, je le sens direct comme mes boutons, genre, ça fait quelque chose. Ouais, on sent la fraîcheur. Dès le matin, on est super bien réveillé, je trouve. On dirait on est du gentil frise. Faites pas gaffe, entre temps, on a fait la miniature, c'était la pagaille. Attention! Du coup, on vient de se rincer le visage. Je vais rincer mon après-shampoing. On va sécher. Et puis, on se retrouve tout de suite pour se laver les dents, quoi. Désolé si je postillonne, mais là, je peux pas me retenir, hein. À tout de suite. On vient de sortir de la shower. La base, se laver les dents. Fabien n'a pas de brosse à dents électrique, du coup, il se lave les dents avec sa petite brosse à dents. Bon, moi aussi, avant, j'avais ça. Je vois pas pourquoi je fais le mec. En plus, j'en ai une, mais j'en ai plus les piles. Enfin, le truc pour charger. Est-ce que vous êtes plutôt les gens qui ont un dentifrice comme ça? Ou un dentifrice assez lisse, assez bien entretenu? Ouais, parce que c'est la fin, quoi. Ouais. C'est la fin du coup. D'ailleurs n'hésitez pas à liker un max cette vidéo parce que on s'est grave motivé à la faire et surtout on prend grave du temps pour vous. Après c'est normal mais juste pour nous remercier, un petit like ça fait toujours plaisir. Et n'hésitez pas à partager la vidéo à tous vos amis parce qu'en vrai je pense qu'on est grave divertissant, hein, non? Bah oui. Concrètement. Clairement. Donc, notre vie est passionnante. Grave. On dirait on fait ça tous les matins. Alors que non. Je ferai peut-être en story Insta ma vraie morning routine pour rigoler. Donc n'hésitez pas à me suivre, c'est mat.brt. Et à le suivre aussi parce que voilà, il participe quand même à la petite vidéo. Ça te ferait plaisir et tout. Et donc voilà, nos Instagrams sont juste là. Abonnez-vous. Et abonnez-vous à ma chaîne YouTube si c'est toujours pas fait. Active la cloche aussi, au moins tu auras toutes mes vidéos en avance. Ah! Actuellement en train de me couper les ongles parce que clairement ils étaient plus longs que mon avenir. Mais avec les vacances que j'ai passées, etc., j'avais vraiment pas le temps donc voilà. Vous avez vu comment il est beau mon petit cœur. Bon, à présent avec mon petit bébé, lève-toi, Baby Shark. Oui. On va venir appliquer un exfoliant à faire matin et soir celui-là. Donc c'est parti, je te donne ton petit coton. Oui. Je vous jure que ça, ça arrache. Si vous l'avez jamais fait, ça fait ça pique de partout. Ça pique. Hein. Surtout si on a des boutons, genre là, ça va me brûler de ouf. Mais ça fait tellement bénéfique, genre. Parce que moi je l'ai pas fait pendant une semaine que j'étais en vacances. J'ai vu ma peau, elle s'est dégradée. Hein. J'en ai mis un peu trop, c'est pas grave. Et là, tout simplement, bah vous l'appliquez comme ça. Quoi. Oh, ça pique de fou. C'est un exfoliant qui marche, quoi. Et puis pour finir, on va appliquer de la crème hydratante. Bon, je dirais pas, je fais comme ça ma peau, hein. Mais en vrai, oui, c'est parce qu'en ce moment, je le fais pas. S'il y a beaucoup de likes sur cette vidéo et que je vois qu'elle vous plaît, on vous fera une petite routine du soir. Donc n'hésitez pas à nous dire si ça vous intéresse et à liker en bon la vidéo, comme je vous ai dit. C'est tout aussi intéressant le soir. Ah oui, oui, bien plus intéressant. Oh non, en plus, il n'y a pas de plus intéressant ou moins. Oui, ça se complète, quoi. Voilà, ça se complète. Après, donc, on a fini tout ça, on va aller s'habiller. Je vais lui choisir sa petite tenue. Et pour la vidéo, même si je déteste ça, il va me choisir ma tenue, donc... D'habitude, il veut vraiment jamais, hein, je te jure. Et moi, j'aime trop quand même le faire. Donc là, actuellement, il est 10h30. Ça fait tôt, quand même. Et du coup, mon baby shark m'a choisi ma petite tenue. Oui. Je pensais pas du tout, il allait me faire une tenue sophistiquée. Moi, je vais le choisir dans la simplicité, quoi. Le petit short, le truc qui va avec. Et moi, il m'a carrément fait ça, comme si j'allais un défilé de mode. Enfin, bref. Et il faut savoir qu'il fait hyper chaud. Il fait moins 40 degrés. En soi, je suis content, mais pas très content de ta tenue parce que voilà, j'ai peur d'avoir chaud avec ça. C'est super léger. Mais c'est la matière. Enfin, bref. D'ailleurs, aujourd'hui, on a une petite photo à faire. Du coup, là, on le fait pas du tout normalement. Mais sinon, on met de l'anti-cerne juste sous les yeux. Et puis, il va cacher ses petits boutons. Et puis, moi aussi, j'aime bien rajouter du petit blush parce que sur les photos, ça rend vraiment trop beau. Donc, comme je vous l'ai dit, normalement, on sort comme ça. Mais pour les photos, vraiment, ça rend 100 fois mieux. Donc là, j'applique une base normale. On se revendique pas du tout make-up artiste. Hein. On sait vraiment faire la base. Et encore un petit peu sur les cernes. Avec la ring light, vraiment, je vois rien. Je suis capable d'en mettre n'importe où. Puis là, en vrai, j'ai pas trop de boutons. Donc ça va. En général, j'en ai pas beaucoup. Ce qui me dérange vraiment, c'est que je me suis pas rasée. J'aurais dû me raser, mais concrètement, on n'a pas le temps parce qu'après, on va devoir récupérer un colis. Et le bus, bah, il y en a pas tout le temps. Bon, j'ai fini l'anti-cerne. Vous voyez la différence. Et puis, je vais appliquer un petit peu de blush. Oh non.
Oh mince. Comme je vous ai dit, je sais vraiment pas l'appliquer. Hop, on va faire ça à la va-vite, même s'il faut pas faire ça. C'est pas grave, de toute façon, on n'a pas le temps. Fabien vient de se mettre aussi un petit peu d'anti-cerne, donc voilà. C'est parti, à présent, on va travailler, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on fait l'école à la maison, donc ça s'appelle le CNED. Et on n'est pas totalement inscrit, c'est pour ça qu'on va les appeler. On va régler 2-3 petits trucs, et ensuite, on va réviser le code de la route, parce qu'on est en train de passer notre code. Voilà, tout simplement. Nous revoilà au salon, parce que vraiment on se sent carrément mieux pour travailler, etc. Parce que dans ma chambre déjà il fait super chaud, et surtout que voilà, en plus ma mère elle peut nous aider pour le code de la route, donc c'est super cool. Mais avant ça, on va appeler le CNED. Oui, bonjour, c'était pour savoir où on en est mon inscription. Vraiment, on a fait le plus gros. Maintenant, je vais un peu vous montrer comment se présente la révision du code de la route. Tout simplement, en fait, on est sur un site internet qui nous fait faire des séries de questions. Il y a des tests et parfois, on aime bien essayer de se battre, entre guillemets. Et puis ensuite, on va aller chercher des petits colis. Vraiment, j'ai trop hâte. Et en même temps qu'on va chercher le colis, on va faire un peu de sport, genre on va un petit peu courir. Je vais vous montrer et tout. Bien sûr, juste avant de partir, on met nos petits parfums. Donc ça, c'est le mien aussi. Hein. Vous avez l'habitude qui me pique tout. Et vous le connaissez, celui-là d'ailleurs. Hein. Pour ceux qui n'ont toujours pas vu ma vidéo Life Hack TikTok, je vous invite à la voir. Il est dans le petit i. Et puis c'est parti quoi, go s'asperger. Oh putain, je m'en suis mis dans la bouche, ouais. Oh my god. Là actuellement il est 11h20. Vraiment la morning routine elle va bientôt s'arrêter. On a grave pas le temps. Du coup là c'est parti, on fait notre petit footing. En allant à l'arrêt de bus du coup. Ouais, en allant à l'arrêt de bus parce que comme d'hab on est en retard. Un footing, vraiment, il fait 3 mètres et ensuite il boit. Ah, j'en veux plus. 3, 2, 1. Ouh là là. Regardez-le qui tient ses poches. Faut pas que ton téléphone il tombe, hein. Ça sert strictement à rien de faire ça parce que là tu t'es épuisé pour rien. Vas-y, bois un petit coup parce okay. Que bon, la meilleure eau est bien. Sponsorisez-moi s'il vous plaît. Les gars, on va rentrer dans le bus. On l'a eu pile poil, ouais. La première fois ça m'arrive. C'est parti, on va aller récupérer le colis mystère de mon petit Fabien. Bon, le point relais c'est dans un fleuriste. Ouais, voilà. Assez drôle. Quand vous allez voir le colis, vraiment ça va être trop bien. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Alors, Baby Shark, qu'est-ce que c'est? C'est mon trophée YouTube, les gens. Regardez. Fais voir. Ça vient de chez YouTube. Aïe aïe aïe. Je suis trop trop content, ça fait tellement longtemps que je l'attends. On va l'ouvrir à la maison là, oui. Parce que bon, je suis trop content pour toi. Ça veut dire qu'on aura donné oui. Notre trophée. T'es à côté. Ah là là, trop cool. On vient d'arriver chez moi. Non mais vraiment j'en peux plus. On va déballer le colis. Et puis voilà. On se retrouve quand on est sur la table. À tout de suite. Relais Big Mac. On a enfin fini notre morning routine. Comme des débiles, on a pris un chewing-gum alors que juste après on va aller manger. Je vous avoue qu'on a un peu dépassé les horaires parce qu'on a eu tellement de choses à faire qu'on était dépassé, genre vraiment. Il est aux alentours de 13h30, donc voilà. En général, on mange plutôt vers midi, midi 30. Et concernant le colis à Fabien de chez YouTube, en fait, il a reçu son petit trophée comme ceci. Ouais. Bon là, c'est écrit Mathis, enfin parce que c'est le mien. D'ailleurs, merci encore pour ce trophée. C'est grâce à vous, franchement, ça me fait trop plaisir. Et lui, il a reçu le sien, mais il veut attendre un peu avant de l'ouvrir, vous savez, en vidéo ou quoi. Allez voir sur nos Instagram qui seront écrits juste ici. J'espère en tout cas que cette morning routine vous aura plu. N'hésitez pas à liker en bombe, bien sûr. À nous dire dans les commentaires si vous voulez une night routine en couple. Et puis sur ce, si vous êtes toujours pas abonné, bah abonnez-vous comme on vous le dit toujours. Activez la cloche des notifications pour ne rien rater. Et puis sur ce, on vous fait des gros bisous les Big Mac. À plus dans le bus. Rendez-vous tous les dimanches à midi. Ciao.